Michiwa les Kibishi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Animal Crossing New Horizon. Et aujourd'hui, on est avec Maléfique. Maléfique, le retour. Et oui, j'ai plein de choses à vous montrer, vous expliquer pour la décoration sur mon île Disney de Maléfique. N'hésitez surtout pas d'ailleurs, si vous me découvrez sur cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à mettre plein de petits pouces bleus. Et sans plus tarder, on peut peut-être commencer par la maison. J'ai refait plus ou moins les pièces de ce que je me souvenais très rapidement sur mon autre île. Et du coup, et ben vous savez quoi, c'est parti, je vous montre les trois pièces que j'ai déjà décorées. Ok, oui, il y a des cafards, je les ai pas enlevés parce que je trouvais que c'était cool comme ça. Attends, c'est quoi cette musique là? Ah là là, ça va pas du tout cette musique hein. Ah, y a aucune musique qui va là hein. Ah non, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Voilà, pas de musique. Il n'y a pas de musique qui va, on met pas de musique quand il n'y a pas de musique qui va. Bref, nous voilà arrivés dans la pièce principale, donc de chez Maléfique ici. On va dire que c'est comme son genre de salon. J'ai essayé de faire au mieux, j'ai laissé les cafards évidemment parce que je trouvais que c'était cool. C'est bien mieux qu'il y ait des cafards chez Maléfique. Bon voilà, il manque plein de choses encore, mais j'ai pas pu tout récupérer des meubles de Maléfique, donc du coup j'ai pas réellement tout ce qu'il faut pour l'instant, mais voilà voilà ce que ça donne. En vrai, au niveau de la luminosité, je pense qu'à mon avis, ouais, la plus basse évidemment, je pense qu'elle est la mieux pour cette pièce là on va passer dans la pièce suivante. Ok, ici c'était juste pour vous dire que ça sera la cuisine. J'ai commencé avec ce que j'avais, j'ai pas autre chose, c'est pour ça que j'ai pas pu faire mieux. D'ailleurs, on va mettre la même luminosité dans toutes les pièces, mais bon, après quand il va faire nuit, ça va être un peu chelou parce que ça va être très très sombre. Bref, du coup, voilà ce que ça donne pour cette pièce-là. Et on va passer à la pièce suivante. Ok, on est à la cave, c'est les cachots. Donc voilà, bon, comme je vous l'ai dit, il manque énormément de détails, mais c'est pour vous donner un petit peu les thèmes des pièces de chez Maléfique. Voilà, il manque vraiment beaucoup de choses. Il n'y a pas tout qui va. Et d'ailleurs, la luminosité, ça va pas du tout. C'est plutôt celle-ci pour, évidemment, les cachots. En tout cas, n'hésitez surtout pas, si vous avez des idées, si vous avez des suggestions, à me les faire dans les commentaires, évidemment. Et puis, si vous avez des idées de pièces, je pense qu'à mon avis, il manque une chambre. En fait, il va me rester deux pièces, donc il va me rester une chambre peut-être à faire et une salle de bain, pourquoi pas. Je sais pas ce qu'on peut faire comme salle de bain pour Maléfique, mais pourquoi pas lui faire quand même une salle de bain. Et on arrive dans la dernière pièce que j'ai décorée, et du coup, eh bien, c'est le grenier. Ah oui, il manque le rouet. Ah, je crois que je l'ai sur moi. Alors attendez, on va se mettre en mode, comme ça c'est beaucoup plus facile pour faire de la déco. Il me semble que je l'ai... Ah, il est là, regardez. Magnifique. Ok, ça c'est la pièce avec le rouet. Je sais plus dans quel sens ça se met. Ah oh là là, j'ai un doute. Non, la pédale elle est là, donc je pense... N'hésitez pas à me reprendre si je me suis trompée de sens pour le rouet, mais je pense que c'est dans le sens là, avec la pédale comme ça. Bref, voilà ce que ça donne pour cette pièce là. En tout cas, c'est pas encore du tout fini, hein. C'est vraiment juste, j'ai mis ce que j'avais en fait comme meuble. Il manque de la musique, il manque plein de petits détails, mais voilà, c'était pour vous donner quand même un petit avant-goût et puis surtout une ambiance. Je pense qu'on finira tout ça, peut-être qu'on avancera peut-être pas la maison en live, je sais pas du tout. On va voir un petit peu comment on va se débrouiller pour continuer la déco, mais en tout cas là, ça y est, je suis lancée sur Maléfique et je suis trop contente parce que franchement, j'avais trop hâte de commencer sa déco. Ok, pour l'extérieur, comme vous avez pu le voir, j'ai récupéré, j'ai craft ça, la vigne géante, elle est incroyable, elle est vraiment beaucoup trop incroyable. Et on peut la personnaliser en plein de couleurs et du coup, je trouvais que c'était intéressant. J'ai posé juste ici des choses qu'on pourrait utiliser également, je trouvais que les rondins comme ça étaient carrément cool. Ça c'est le Shistostega, le tabouret Shistostega personnalisé dans une couleur un peu sombre. Je trouvais que c'était cool aussi, cette espèce de plante là incroyable qui est juste magnifique. Et du coup je pense qu'on va faire des remparts de château tout autour avec, eh bien regardez, les murailles de château personnalisées comme ça en genre un peu délabré moussu. Franchement je trouve ça canon. J'ai fait exprès de mettre la porte de château juste derrière. Comme ça on pourra aller sur, il y a un grand rocher ici et... J'avais peut-être pensé à poser, vous savez, le Godzilla géant là. Le Godzilla géant. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais bon, on peut faire quelque chose de sympa derrière. J'ai personnalisé aussi sa maison, je sais pas si vous avez capté. J'ai changé la façade de sa maison. Je récupère les plans en même temps parce que c'est des plans que je me suis laissé pour les apprendre. Et donc du coup, aussi un énorme merci à Sybille. Si vous la suivez pas d'ailleurs sur Twitch, n'hésitez surtout pas à la suivre. Je pense que c'est vraiment la meilleure en déco, en tout cas. Je suis trop fan de ce qu'elle fait et c'est elle qui m'a trouvé une photo d'inspiration sur Instagram. Je crois que c'est Nook
je sais plus comment il s'appelle, Look Inspiration. Il me semble que c'est Look Inspiration, la photo est juste incroyable, c'est vraiment très très beau. Et justement, c'est pas du tout un thème de Maléfique, mais c'est un thème qui pourrait très bien aller pour Maléfique. C'est plutôt quelque chose qui fait un peu penser à quelque chose de féerique. Du coup, c'est cool parce que c'est plus ou moins ce que je vais faire un petit peu pour Maléfique. Et je trouve que c'est très cool parce que ça change de ce que j'avais fait sur l'île lunaire. Après, pour Maléfique, il n'y a pas non plus 10 milliards de possibilités. Ça reste quand même assez restreint. Mais bref, du coup voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais finir d'apprendre les plans et je vous retrouve juste après. J'ai appris tous les plans, je vous montre un petit peu ce que j'ai récupéré comme nouveau plan. Du coup voilà, le miroir, bon rien d'extraordinaire, la chaise longue, le poêle de sauna, ça c'est juste incroyable, le chat fétiche doré, ça c'est cool aussi, les piliers décoratifs, vigne, ensuite on a la guirlande vigne, le mur, ruine Gisostega, le tapis orange et la table en carton. Bref, voilà un petit peu pour la déco de chez Maléfique, j'ai trop hâte, on fait le tour des plages parce que je veux voir s'il n'y a pas la bouteille à la mer à récupérer. Et il va falloir que je récupère beaucoup, 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 beaucoup de vignes. Je vais vous montrer pourquoi. Alors, on espère évidemment que ce soit un nouveau plan. Qu'est-ce que c'est? Une pierre de jardin moussu. Je crois que c'est cool parce que je connais pas. Ah, génial. Top. Ok. Magnifique. Un nouveau plan. Et donc, je vous montre. C'est une dinguerie, il va falloir vraiment que je farme, mais vraiment énormément, les vignes. Ah, j'ai pas. Je crois qu'il en faut 25, si je dis pas de bêtises. Ok, on va partir tout de suite voir s'il y a des choses intéressantes dans le Nook Shopping. Oh, regardez cette épée. Mais elle est magnifique, cette épée. Oh my god, elle est incroyable. Épée à double tranchant, elle doit être hyper chère. 130 000 clochettes. Oh, j'ai 137 000, j'achète. J'achète direct. Oh, incroyable. Incroyable. Et bien c'est simple, avec Maléfique, il ne me reste plus que 7861 clochettes. C'est chaud, c'est très très chaud. Non, en vrai, c'est pas chaud, mais voilà quoi. Il va falloir que je fasse une descente sur la Switch de Roro, sur Sandy, là, sur Whitsunday pour aller récupérer des cloclos. Là, ça va pas du tout. Hein. Ah là là, 1000 miles on récupère, incroyable. Ok, allez, salut. Ok, bon, avant d'aller sur l'île d'Amiral, oh regardez, c'est ça que je voulais vous montrer. J'ai planté ici tous les légumes. Oh, regardez comme c'est beau. Est-ce que c'est pas trop beau? Non mais c'est juste magnifique. Je suis trop fan. Je sais pas où, sur l'île Disney, on va faire un potager. Mais je pense qu'il va falloir qu'on fasse absolument un potager. C'est beaucoup trop joli. En vrai, même si c'est un mini potager, ça peut être cool. Je sais pas. Peut-être à côté d'un restaurant ou j'en sais rien. Parce qu'en vrai, attendez, ça, c'est moi qui l'ai planté, ça. Hein. Je pense qu'à mon avis, c'est un gyroïde, ça, non? Ah non, pas du tout. Carrément pas, absolument pas, c'est un fossile, c'est pas grave, on aura récupéré un fossile, c'est incroyable. Bref, bon, il va falloir absolument qu'on parte vite, non, j'allais dire on fait les tours des plages, mais on a déjà trouvé la bouteille à la mer, donc en vrai, pas la peine. Oh, Fanny, elle est jamais chez elle, c'est un truc de fou, elle n'est jamais chez elle, du coup je peux pas vous faire visiter sa maison, que j'ai totalement changé. Ici, c'est décidé, je vais peut-être mettre une maison pour faire... une maison d'un habitant, je sais pas, mais je pense que je vais mettre une maison d'un habitant, ou peut-être que je vais... Je peux créer d'autres personnages en vrai, hein. Je dis ça, mais je peux aussi créer d'autres personnages. Hein. Ici, il va falloir que je mette une ou deux maisons, je pense, pour faire, vous savez, les boutiques souvenirs qu'il y a à Disney, genre une boutique de peluches et une boutique de confiserie, quoi. Ok, un voyage de qualité, j'ai envie de vous dire, claquer au souterrain, ouais, claquer au souterrain, même pas de bouteille à la mer, que dalle. Franchement, le voyage qui a servi absolument à rien du tout, une île spirale, l'île la plus claquée de toutes les îles de l'histoire d'Animal Crossing New Horizon. Et bref, on s'en fiche, de toute façon, c'était juste pour débloquer et pour pouvoir aller sur une île avec Amiral. J'espère qu'on va tomber sur une île rare, ça serait trop bien, franchement, ça serait trop cool, j'aimerais bien... Franchement, l'île avec les vignes, ça serait quand même bien, ça me permettrait d'avancer parce que j'ai vraiment besoin d'énormément de vignes. Bon, évidemment, nous ne sommes pas tombés sur une île avec les Schistostega et les vignes. Bref, on va faire quand même le tour de l'île pour récupérer, j'espère, une bouteille à la mer. Parce que alors, autrement, alors là, franchement, j'aurais été vraiment... Oh là, je serais vraiment deg. Franchement, je serais super dégoûtée d'avoir fait deux voyages pour rien comme ça, là. Ça, oh non, ça me ferait rager. Allez, la bouteille à la mer, elle est juste ici. Heureusement, autrement, franchement, je vous assure, j'aurais ragé de ouf. Est-ce que c'est un plan qu'on ne connaît pas? Ça serait cool aussi. Hein. Alors, c'est Dimitri qui me l'envoie. Bibliothèque en bois. Oh, ça, c'est ultra canon. C'est ultra canon. J'adore. Magnifique. C'est parfait.
C'est canon. Bref. Alors, petit fragment de gyroïde, ça peut être cool aussi. Alors, il n'a pas l'air d'être dans les parages. On va traverser de l'autre côté, voir. Ah, regardez-moi ça, il est juste ici. Allez, il est là. Ah là là, je commence à en avoir beaucoup et je suis trop fan. J'arrête pas de le dire à chaque fois, je suis trop fan. Ah, je vous ai pas montré. Oh là là, je vais vous montrer. C'était Sybille qui m'avait suggéré de faire un chemin de gyroïde. Et j'en ai fait un. Et en vrai, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal du tout. Bon, allez, on rentre sur l'île. Bon, ces deux voyages avec Maléfique n'ont pas été du tout incroyables. Franchement, ils ont été même claqués, totalement claqués. Oh, c'est quoi cette chemise? C'est nouveau, ça dit donc. Hein. Bref, de toute façon, l'histoire d'autres fées, ça m'intéresse pas. En tout cas, pour Maléfique, pas du tout, parce qu'elle a toujours sa même tenue, et ce qui est plutôt logique. Du coup, je vous montre un petit peu le chemin, et je vous montre pour tous qui ne connaissent pas. Eh bien, ici, nous sommes dans les lacs enchantés de Cendrillon. C'est le domaine de Cendrillon avec son château. Du coup voilà, c'est plus joli de nuit, hein. C'est vraiment vraiment beaucoup plus joli de nuit. Et donc du coup sur les chemins sur le côté je savais pas trop quoi faire. Et donc Sybille m'a suggéré de faire un chemin avec des gyroïdes. Et du coup c'est ce que j'ai fait. Voilà ce que ça donne, j'ai essayé de les poser un peu comme ça n'importe comment. Je sais pas, j'ai l'impression que le chemin il est peut-être un peu étriqué, un peu petit. Mais ça rend plutôt bien quand même. Ça rend quand même plutôt bien. D'ici derrière, il faut que je finisse et que je fasse le champ de citrouille. Et ensuite, pour le chemin de l'autre côté, j'ai fait plutôt simple. Je crois que je suis coincée. Non, ça y est, je suis pas coincée. J'ai mis juste quelques petites lampes jacinthes comme ça. J'ai fait quelque chose de très très simple. Je pense pas qu'il y ait besoin de faire plus. C'est un tout petit chemin. Franchement, ça va être plutôt ça va faire plus chargé qu'autre chose. Bref, voilà ce que ça donne pour le domaine de Cendrillon, les lacs enchantés. Je crois que j'ai récupéré des miles. On va aller vérifier ça. Il me semble que oui. Hein. Je pense qu'à mon avis, c'est le voyage d'Amiral à... Ah non, pas du tout. C'est le fossile. Et le fait que d'avoir voyagé avec Dodo Airline, je récupère pas mon premier voyage. Eh ben non. Ah si. C'est quoi ça? Larguer les amarres. Ok, je récupère pas, j'ai juste débloqué. Bon, il n'y a rien d'autre. Bref. Donc voilà ce que ça donne un petit peu. Du coup, on va aller regarder si on a du shopping à faire. En vrai, je suis en train de dire ça, mais il ne me reste plus que 7861 clochettes. C'est très, 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 très chaud. C'est ultra chaud. Attendez, on parle à Fanny. Ça, pour une surprise, comment tu vas? Eh ben, écoute, ça va grave bien. Hein. Tiens, je crois que j'avais justement quelque chose à te dire. Mince, impossible de me souvenir. Bah, ça me reviendra plus tard. Énorme. Et eh ben écoute, ouais, salut. Ah là là, c'est la maison de qui ça déjà? Ah c'est Luna, oh purée, pourvu qu'elle s'en aille elle, hein. Oh, elle a rien à voir. Ah il faut que je vous montre aussi, je sais où c'est que je vais placer mon musée. Il faut que je déplace absolument mon musée très rapidement. Je pense qu'on fera tout ça en live, d'ailleurs demain, je pense qu'on fera tout ça en live demain. Tout simplement parce que il va falloir que je prévoie beaucoup de place. Oh là là, mais regardez ça, ils sont en train de faire leur séance de sport là. Oh, regardez Dalma, elle s'est échappée. On lui parle. Maléfique, je me disais justement que je te voyais pas beaucoup en ce moment. Ça doit bien faire un mois, non? Je commençais à croire que tu m'évitais. Un petit peu en vrai. Oh, Berk. Oh, Paolito, il est vraiment... Il est affreux. Oh, il est affreux, ses cheveux, on dirait du vomi. On dirait qu'il est fait entièrement de vomi. Oh, Berk. Tu vis ici, je crois. Tu t'appelles Maléfique, ravie de... Oh oui, je lui ai jamais parlé avec Maléfique. Ravie de te rencontrer. Je suis tombée sur Kibi au camping et c'est elle qui m'a convaincue d'emménager ici. Ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Non mais lui, Non mais il invente des histoires. Ça s'est absolument pas du tout passé comme ça. Il s'est incrusté sur l'île. C'est plutôt comme ça que ça s'est passé. Maintenant, j'en ai fini avec les cartons. Je suis prêt à annoncer ma présence... En fanfare. C'est moi, Paolito. Oh, Berk. Ok, c'est incroyable. Ok, Aster. Oh, la pauvre, elle est juste à côté, en train de faire son sport. Hein. Coucou, nouvelle voisine. Je m'appelle Aster. Je débarque. Tout juste. C'est Kibi qui m'a rencardé sur un coin de paradis pendant que je faisais du tourisme. Je dois dire qu'elle savait de quoi elle causait. Je suis tellement jouasse. Je suis tellement joyeuse de crécher ici. Fais-moi signe si tu veux qu'on se marre un peu nickel. Ok, c'est génial. Des gros bisous à toi. Ok,
revenons un petit peu sur l'île Disney. J'ai pas de lance-pierre, du coup je peux pas récupérer le ballon. On va continuer le chemin comme ça, tac 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 ici. Et ici, nous allons installer eh bien, l'heure dictée. Ça sera ici la décoration de chez Robert. Robert qu'il va falloir absolument que je récupère, il va falloir que je le chasse en fait, parce que j'ai pas sa carte amiibo. Ouais, ou à moins que quelqu'un, peut-être que quelqu'un dans mes amis a la carte amiibo de Robert, peut-être que je peux leur demander de me le faire venir, ou peut-être qu'on ira le chasser, je sais pas. Mais en vrai, en ce moment, j'ai pas trop le temps de chasser, hein. Je sais pas si vous avez capté, mais c'est très très difficile de chasser, et quand je fais des lives, et ben je suis grave focus sur la déco, et vous êtes aussi d'ailleurs très très hype, plus pour la déco que pour des chasses à l'habitant, ou même de la déco sur le DLC. Du coup, c'est vrai que bon, c'est un peu compliqué. De faire de la chasse. Bref, c'est la maison de qui ça déjà? Oh, c'est la maison de Belle. Oh, Berk, elle aussi. Attendez, je vais voir si elle craft. Ok, elle était absolument pas du tout en train de craft, donc du coup, je me suis barrée direct. Oh, regardez! Oh, c'est Gulliver! Oh, purée, go faire sa quête vite, comme ça, ça fait récupérer des miles. J'ai vraiment une pelle éclatée au sol, j'espère vraiment eh ben, qu'elle va pas me lâcher, parce que franchement, j'ai trop la flemme d'aller en racheter une. J'ai mis skip deux fois déjà avant de récupérer le premier émetteur. Incroyable, ça s'annonce. Pouf! Allez, et de 2, et de 3, ah là là, et de 4, c'est hyper rapide aujourd'hui, c'est incroyable. Mais c'est merveilleux, et de 5, non mais incroyable, incroyable. Bref, du coup, ici, comme je vous l'ai dit, ça va être la décoration d'Alice au Pays des Merveilles avec, du coup, Robert qui va faire le chat de Churchill. Ensuite, bon, évidemment, ça va peut-être pas prendre toute cette place-là, mais en tout cas, ça prendra une bonne partie. Ici, je sais pas encore ce que je vais faire sur cette partie-là. Là, c'est une petite partie. Après, il y a moyen de faire peut-être une petite déco d'un habitant. Je sais pas du tout. Franchement, je sais pas encore du coup tout. Peut-être que ça peut être tout simplement aussi une jonction avec, je sais pas, un restaurant ou un morceau de petit thème avec pas forcément un habitant. Ici, on est chez, eh bien, Dalma qui joue, eh ben, qui est un dalmatien et qui est enfermé par la méchante Cruella qui habite juste tout en haut d'ici. D'ailleurs, il va falloir que je change sa maison. Ou remarquez, comme ça, elle est plutôt pas mal. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous pensez de la maison de sa maison. Est-ce qu'on change le design, enfin la personnalisation de sa maison, ou est-ce qu'on la laisse comme ça? En vrai, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je la trouve quand même pas mal comme ça. Bref, va falloir que je vienne ranger ici. Je me suis parco avec Cruella depuis très longtemps. Bref, de toute façon, je pouvais pas tout faire en même temps, hein. Voilà, ici, c'est la maison de Pachi. Pachi qui va être Dumbo. D'ailleurs, il est chez lui. On va aller juste voir s'il est pas en train de craft. Ok, il est pas du tout en train de craft. En vrai, sa maison, elle claque de ouf. Regardez ça. Franchement, elle claque de ouf, sa maison. Elle est grave stylée et ça lui va très 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 bien. Donc Dumbo, ça serait cool de faire bah, le cirque de Dumbo, hein, tout simplement, avec tous les nouveaux objets qu'on a dans le en Miles. Franchement, à échanger en Miles, c'est juste une dinguerie. Je pense qu'il y a de quoi faire quand même. Mais c'est pas ce qui m'inspire le plus. Je sais pas du tout. De toute façon, j'ai pas encore commencé. Mais pour l'instant, eh ben, c'est ce qu'il y a de prévu pour Pachi. Allez, on lui parle quand même, le pauvre, oh là là. Enchantée, je m'appelle Pachi. Ah mais c'est vrai, mais je les ai pas du tout vus. Tous ces habitants là, ok, et eh ben super, très contente de faire ta connaissance, salut. On n'a pas été voir, mais me semble-t-il, ah non mais c'est la maison de Paolito. Ah Berk, c'est la maison de Paolito. Bref, du coup on continue et on va arriver sur cette partie là qui est totalement quasiment vierge en fait, et ça mène au château de Cendrillon, mais en fait on a tout le renfoncement de l'arrière. Je vous montre à peu près où on est situé au niveau de la carte. On est quasiment, voilà, presque, j'allais dire presque au milieu de la carte, au fond, au milieu, et en fait eh ben, je pense que je vais mettre tout au fond, je vais mettre entre la plage de Rounard et la maison de Cruella, donc en 4-5B, même A je dirais, B ou A, hein. Ouais, je pense que ça, je vais mettre ici mon musée et je vais essayer de faire un petit coin Indiana Jones, genre temple maudit, temple perdu, avec, il y a pas mal de choses, franchement il y a plein de trucs qui sont très très sympas pour faire de la déco d'Indiana Jones, ça peut être vraiment cool, très très cool, genre un peu en mode jungle. Et puis, venir petit à petit sur l'accès de la plage de Rounard et justement, eh ben, passer du thème, eh ben, d'Indiana Jones
à Pirates des Caraïbes pour eh ben, l'accès à la plage de Rounard. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, c'est ce qui m'est venu. Et réellement, après, il me reste quand même pas mal de place encore. Et j'aurais pas encore fait tous les habitants et tout. Donc, en vrai, franchement, il y a encore. Cette île, je ne sais pas quand est-ce que je vais la finir. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de boulot. Il y a vraiment énormément de boulot. Bref, pour tous ceux qui n'avaient pas encore vu ma carte, eh ben voilà, on est sur ma carte. Ça tombe bien sur Fantasy Île, donc île Disney. Pour l'instant, on a Kibi, personnage principal, Cruella et Maléfique. Et pour l'instant, pour les habitants, eh ben, il y a Luna. J'espère qu'elle va vite s'en aller. Paolito aussi. Dalma, évidemment, on la garde. Abraham, c'est très important. Il va falloir qu'on garde Abraham. Il va falloir qu'on. Et Abraham, c'est vrai, il y a une très, très, très grosse déco pour Abraham. Oh, Abraham, je l'appelle Abraham. Abraham, il s'appelle pas Abraham, il s'appelle Sven. C'est pour la Reine des Neiges. Oh, vous savez où c'est qu'on va le placer? J'ai trouvé. Ah là là, j'ai trouvé où c'est qu'on allait le placer. Ça va être un peu compliqué, mais ça va être sympa, je pense. On va le mettre du côté 2, toute la colonne de 2. Je ne sais pas si on va le mettre en C, en D, en E. Je pense qu'à mon avis, il va être placé en D et E2. D et E2, tout simplement parce que il va y avoir un château. Il va y avoir le château, évidemment, de la Reine des Neiges, d'Elsa. Et du coup, ça va être en hauteur. Un peu en hauteur, et le problème c'est que si je le fais dans la case C2, ça va être un peu contraignant parce que derrière on a chez Maléfique. Du coup, il va y avoir un problème en fait de vue. Ouais, il va y avoir un problème de vue. Du coup, je pense qu'à mon avis, dans tous les cas, le seul endroit de l'île qu'on va pouvoir faire quelque chose de grand, parce que Sven va être dans une forêt, et au bout de cette forêt-là, eh bien, ça débouchera sur le château, eh ben, d'Elsa. D'ailleurs, j'ai pas trouvé qui c'est qui allait faire Elsa. Je pense peut-être on m'avait dit Blanche. C'est vrai que Blanche, ça pourrait être sympa. Je sais pas. Faut voir. Faut voir. Ensuite, on a Drago. Après, Bibi. Bibi, je me dis, est-ce que Bibi, elle pourrait pas aussi être dans la forêt avec Sven? Parce que Bibi, ben, pour Bambi, ça peut être sympa. Je sais pas. Faire quelque chose de couplé en faisant Bibi et Sven ensemble, je sais pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Belle, évidemment, il va falloir qu'elle s'en aille parce que ça va pas du tout, hein. Elle va absolument pas du tout. Fanny, évidemment, elle reste, elle fait la Belle et la Bête. D'ailleurs, on a déjà changé l'intérieur de sa maison et j'arrive pas à vous faire visiter à chaque fois que je fais une vidéo, et ben, ou à chaque fois que je suis en live, elle est jamais présente. Et j'aime présente, mais dans tous les cas, si vous souhaitez voir la décoration et savoir comment faire pour changer la décoration d'un habitant, et ben n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Pachi, je vous en ai déjà parlé, et Aster, et ben malheureusement, il faudrait qu'elle s'en aille, Aster, tout simplement parce qu'elle n'est pas du tout dans le thème de Disney. Je vois pas du tout quel Disney elle pourrait incarner. Donc du coup, et ben elle partira de l'île. Et Drago, je vous ai pas dit, mais Drago, je sais pas trop encore. On avait dit qu'on le ferait peut-être pour faire Mulan, mais en vrai, ou je sais plus qu'est-ce qu'on avait dit. Elliot et le dragon, je crois. Mais en vrai, Elliot le dragon, pardon. Et en vrai, ça me hype pas plus que là. Pas plus que ça, malgré que je kiffe de ouf Drago. Et ben franchement, c'est pas oufissime. Ça me, je sais pas, ça m'inspire pas plus que ça. Bref, on va continuer à repasser par ici. Du coup, en fait, ça rejoint par là et on va passer évidemment, hop, de l'autre côté de la berge. J'ai pas mis, je sais pas si vous avez capté, mais je l'ai pas mise en hauteur. C'est fait exprès, tout simplement parce que j'ai fait déjà plein de choses en hauteur. Il y a Cruella qui est en hauteur, il y a moi qui est en hauteur. Je pense que Elsa va être en hauteur. Et du coup, certainement que le musée va être en hauteur aussi. Du coup, ça faisait quand même pas mal de choses en hauteur. J'avais envie, voilà, pour que ça puisse faire de jolis volumes et que ça puisse être irrégulier et aussi que ça puisse être sympa, que ça fasse sympa. Il faut pas que tout soit en hauteur, autrement c'est trop bizarre. Enfin, je sais pas. J'en sais rien. Pour l'instant, de toute façon, j'ai placé comme ça. Si ça va pas, de toute façon, je modifierai comme d'habitude. Bref, et ben vous savez quoi? On va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce let's play avec Maléfique vous a plu. En tout cas, un grand merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas, si vous me découvrez, à vous abonner à la chaîne, à mettre des petits pouces bleus. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve très très vite demain, je pense. Demain, on se retrouve en live. Et pour les autres, eh ben, à très vite sur une prochaine vidéo. Des bisous, les kibichis!